50 ans après la création de la CEE, l'Union européenne est toujours en pleine expansion. À l'occasion du 50e anniversaire de l'Union, les musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles présentent une exposition particulièrement intéressante des 12 meilleurs photographes au monde qui ont pris des photos des 10 nouveaux États membres de l'Union européenne. Sous le nom d'Eurovision, ces 12 photographes dépeignent un portrait unique du nouvel Européen. Le résultat est pour le moins surprenant. L'exposition Eurovision qu'on propose pour l'instant au musée s'appelle tout simplement Eurovision parce que c'est une vision sur l'Europe, sur la nouvelle Europe et sur les 12 nouveaux pays qui viennent de rentrer dans l'Union européenne depuis le 1er mai 2004. Il y a eu d'abord 10 pays et puis maintenant, depuis le 1er janvier 2007, la Roumanie et la Bulgarie viennent aussi de rentrer dans l'Union européenne et donc nous proposons en collaboration avec Magnum un regard différent sur ces 12 nouveaux pays. L'exposition que vous pouvez voir aujourd'hui à Bruxelles a d'abord été présentée pour la première fois en 2005 au centre Georges Pompidou. C'est une volonté de l'agence Magnum et de Pompidou de présenter aux Français, qui ne savent même pas citer un des nouveaux pays qui était rentré dans l'Union européenne, de leur montrer à travers le regard de 10 photographes de Magnum ces 10 nouveaux pays qui venaient de rentrer dans l'Union européenne le 1er mai 2004. Ici à Bruxelles, il y a quand même une petite nouveauté puisque depuis le 1er janvier 2007, la Bulgarie et la Roumanie sont entrés dans l'Union européenne et nous vous proposons donc ici ce regard spécifique que nous avons commandé à ces photographes au courant du mois de janvier 2007.